Aujourd'hui, on se retrouve sur la plateforme de Vincent et Céline Robert. On a voulu, avec le Copil, mettre le point sur la valorisation de l'herbe et sur les différentes techniques d'implantation des prairies. Avec l'augmentation des charges, on a voulu voir les différentes techniques d'implantation avec le matériel, soit avec des chômages, sans labour, avec labour. Et ensuite, on a voulu voir avec l'implantation sous couvert et sans couvert de métaillot. Il faut vraiment être très précautionneux sur ces cultures-là, notamment en faisant attention au hauteur de fauche, la luzerne. Si vous la fauchez trop bas, vous pénalisez quasiment une pousse. Depuis, on va dire 3-4 ans, ce qui se développe beaucoup, c'est celui de métaille, et de métaille avec une quantité de protéagineux. Là, on est vraiment sur quelque chose où on veut vraiment chercher de la qualité. En quelle proportion se met chaque espèce? Il y en a 5 ou 6, on ne va pas toutes les mêmes, les mettre dans les mêmes proportions. Et sur ce modèle-là, donc, a été implanté aussi le même système de vie. On couvre les besoins de ces prairies ou pas. Donc je vous encourage vivement à analyser vos effluents.